Bon, on est reparti. Je garde au fond de moi le dernier jour de la campagne de Père Sohiki. Je dois retourner sur la plage d'où nous sommes partis. Réflexion sur le regret. Le printemps renaît. Un sommet dans le lointain. Jamais ne reflue. Nickel. On va aller là. Hein. Dur. Ah, écoutez, il y a du mou, non? Du dur. Calme-toi. Des animaux en cage pourraient transporter. Partez, petits êtres. Sauve-toi, petit singe. Lâche-toi! Lâche-toi!
Stop-toi. Mort. Il triche lui, non? Ah bah les couilles. Ah le feu! Thank you.
Arrête de gueuler. Sauve-toi. Arrête de taper la honte. De merde. Bâtard.
Pourquoi t'as changé comme ça le truc? Oh mais t'es endormi là, t'as mis 10 ans à monter. Et des tricheurs. Elle est là. Bien, Sora. Il y avait un trou là, dans le rocher. Calmez-lui. Tu apportes une offrande pour les morts ?
Ce monument, à qui est-il dédié ? Aux braves guerriers de l'île d'Iki, tous cruellement massacrés par le démon, Tadayori Nagao. Un démon ? Non. Tadayori a réussi à protéger le peuple d'Azamo des pirates. Ce ne sont que des mensonges répugnants ! Ces hommes sont tous morts en héros. Si vous le dites. Tu pourrais au moins respecter ceux qui sont tombés au combat. Donc je te défends, dis-le, hein. On va fouiller vite fait, je sais plus si je l'ai fouillé. Puis il est sorti de nulle part, et il a éliminé trois gardes à lui tout seul. Oui, il paraît. Mais on dit aussi qu'il fuyait un serpent. Quoi ? Non, il en a affronté trois. Trois ! Il a rapporté un gros bout de temps. Oh, c'est bon. Cette maison-là. Les singes communiquent entre eux. Ce que j'ai délivré, peut-être. Cette sorte de danse que font les singes me rappelle un air que ma mère m'a appris. Voyons si je m'en souviens. Eh bien, petit singe, je vais te donner des cacahuètes. Ils sont gentils là. Il aime bien les cacahuètes. C'est le premier air qu'elle ait voulu m'apprendre. J'étais contrarié de ne pas y arriver. Elle jouait alors avec moi. Malgré mes difficultés, pour ne pas me frustrer. Ok, nickel. Oh, c'est bon. Oh, bah, mon perso est déjà, il est à fond. Il est pas à fond quand même, si. On va décarner là. Vas-y.
descendre. Oui, pas comme ça. Elle est morte. Elle s'est sacrifiée. Wesh les gars. C'est beaucoup de monde. Avance. Qu'il fait là lui? Ah non, je crois que c'était le gars. Vas-y, c'est lui non? Pardonnez-moi, j'ai eu tellement froid cette nuit que je n'ai pas eu d'autre choix que de brûler le bambou. Ne vous en faites pas, vous avez fait ce qu'il fallait. Si vous avez du bambou, n'hésitez pas à le déposer ici pour l'entraînement. J'ai du bambou. Non, c'est pas lui, c'est pas le gars qui restaure la maison.
Ninja. Ce Saya est tellement précieux que même ce singe l'apprécie. Tu le veux? Ou préfères-tu une mélodie? Ta cacahuète. Oh, qu'est-ce qu'il mange? Il a des pommes. Merci bien, petit être. Il me sera nettement plus utile qu'à toi. Voilà. On a fini sur l'île, on va aller là. On va aller voir en haut. Il y a clairement un truc en haut. Quoi par là? Waouh.
C'est quoi ce bordel? Ah, c'est bien par là. Ah, je suis nain. Non, je redescends là. J'aurais pas dû prendre le raccourci. Moi, c'était un raccourci. C'est quoi le faux raccourci là? Accroche-toi dessus. Retourne-toi déjà. Ah d'accord, faut prendre mieux. Ça m'aide à quoi vraiment? C'est pour sauter là Non bah apparemment j'étais sur la bonne route chaîne hein. Descend pour mieux remonter. Remonte.
fait. C'est pas la racrotte, hein. Ninja, je préfère mourir parce que si je m'accroche, je ne sais pas où. Je recommence tout. Ah, c'était bien lent en plus, hein. Tueur du singe, des singes. Je devrais retenter le vieil air de ma mère. Je ne devais pas rester immobile. Elle tenait à ce que je joue et me meuve, comme un singe. Me meuve, ça veut dire quoi? Me bouge? Bouger quoi? Le dire move, mais vous voulez dire non? Viens chercher ta pomme. Pas mal. Elle me demandait de l'imiter, balançant sa flûte à gauche et à droite pour être sûr que je le maîtrisais. Je dois admettre qu'il est difficile de jouer lorsque l'on rit. Alors, suivant. Pas dedans là. C'est ça. C'est ce que je leur dirais. Tiens. Touche-le. Ils partent pas loin. Il s'est tiré. Quelle. Et cette seconde, Shina, comment je vais faire? Faut qu'il faut tous te farcher ou Shina. Bon, ça c'est bon, suivant.
Bonjour, petite bête. Celle-là. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme Tenzo. Dans une autre vie, nous aurions pu être amis. Mais tout ce que je peux faire, c'est faire fi du passé. C'est peut-être assez. On est bon. J'aurais peut-être pas dû monter. Elle est là. Merde. C'est le village dont parlait Sungi. Où est-elle? Des hommes de Yamaniko. Je vais m'occuper d'eux. Pas de calmer. J'arrive. Ne bougez pas. Merci, monseigneur. C'était impressionnant. Tu n'es ni un samouraï, ni un renard. Qui es-tu exactement? Quelqu'un comme toi, qui sait ce que c'est que d'être traqué. J'ai observé la crique. Yamaneko échange des prisonniers contre des Wacha mongols. Traître et vendeur d'esclaves. Il faut les empêcher d'obtenir plus d'armes. Tu as raison. Nous devons nous séparer. Occupe-toi de distraire les hommes sur la plage. Je prendrai un bateau. Je me faufile en douce sur des navires depuis que je suis toute petite. Si Yamaneko est aussi dangereux que tu le dis... C'est à moi de m'en occuper. Yamaneko est... mon frère. Es-tu sûr de pouvoir le faire? Oui. Très bien. Je remonterai la côte jusqu'au campement des Mongols et des pirates. Et je nous en débarrasserai. Je peux m'emparer de leur Wacha. Et ainsi te faciliter la tâche. Parfait. Si nous faisons croire aux Mongols que les pirates les ont trahis, ils se retourneront contre eux. Je t'enverrai un signal pour te dire où tirer. Un peu de farine dans leur feu créera une lueur vive. Bonne chance, Sugi. À toi aussi. Et qu'ils ont besoin de chance. Il y a un poste de guet non loin. Je ne peux rien faire tant que... Je vais commencer par là. Retrouve-moi ensuite sur la côte nord. Voyez la patte. Le poste de guet.
prêt. Où? Il est parti. Archer ennemi. Viens là. À la nuit tombée, Sugi pourra rejoindre le bateau. Examinons les lieux. Leur alliance s'achève là. Va se calmer, qu'est-ce qu'il a, lui? J'utiliserai le feu de camp pour indiquer à Sugi où orienter les tirs des Wacha. La danse. L'équipage de Yamaneko et les Mongols se sont associés. Je dois prévenir Sugi. Appelle-moi combat des bois. Oui, ton camp des mouches. C'est si pété que ça, l'arc. Ça va lui faire tout drôle. Non, y'a personne. Oui, blindé, lui. Thank you.
Calme-toi. Il s'amuse ici. Hein. De Yamaneko servira d'exemple. On ne s'allie pas aux Mongols. Maintenant, retrouvons Sugi sur la côte nord. Côte nord. Elle est où ? Aucune trace du bateau de Sugi. J'espère que Sugi n'était pas à bord. C'est son casa rouge. Adieu, Sugi. Je te souhaite meilleure fortune dans ta prochaine vie. Ok, nickel. Je te suis. Peut-être qu'il est bien. Il est où ? Pas trop ça. Quel? Je devrais rejoindre le mari de Sugi, lui dire ce qui s'est passé.
pourrais-je bien lui jouer afin de le calmer? Ma mère disait qu'un air apaisant n'est pas nécessairement un air simple. Avant la nouvelle de sa maladie, ma mère s'asseyait seule et observait les daims. Je m'agrippais à elle pour attirer son attention. Puis mon père me réprimandait car je la dérangeais. Elle souriait, me tenait le menton, puis me disait « La paix n'arrive pas toujours dans le calme. » Je doute qu'aucun de nous ait compris ce qu'elle voulait vraiment dire. Ok, nickel. Oh, petit mange. Voilà, on a fait un peu le tour. Là-bas. Nul. Oh, je peux descendre normalement. Là-bas. Je regardais là. Plus vite, Sora. Oh. Bah, reste où tu vas aussi vite. J'ai vu, j'ai cru que j'allais me faire bouffer.
Quoi ce bordel? Non, j'aurais préféré que tu meurs. Je sais pas pourquoi elle a pas fait ça, j'ai pas compris. Ok, rien à comprendre. Il me coince le singe. Il l'a pas. Il faut le tirer. Il a. On n'a pas le charme, hein. On va la reprendre à zéro parce que. La rue de bordel. Là.
Et je vais où, là? Il va jamais ici. Ninja! Elle se fout de ma gueule. Vas-y. Il veut pas avancer. On fait une feinte. On l'a. On est bien. Vas-y. C'est la récolte du jour. Allez-y, approchez. Je suis épuisée. Attends, je sais pas où est l'armurier. Possible. Elle est bonne normalement. La tribu de l'aigle a encore attaqué un village. Doucement. Non. Ils ont toujours été la bande la plus faible d'Iki. C'est moi que vous cherchez. Il est où déjà? Il l'appelle l'aigle. C'est une sorte de chef spirituel. Je suis avec elle depuis le tout début. Depuis Donc... Fort Sakai, hein? Avant. Depuis qu'elle a tué le gros contrebandier qui dirigeait la crique. Et là? Ah ben il se planque, ouais, hein. Cette armure aurait bien besoin d'être réparée. Très bon choix. Le casque est un peu ridicule. Voire beaucoup. J'espère que tu vivras et que tu reviendras. On l'expérimente.
l'espère tous. On l'espère tous. Il me reste quoi à faire là? C'est là-bas en haut? Là? On va aller là d'abord. La moumoute. Cisailler la peau. J'ai bien cru que j'allais y passer. Tout va bien. Ok. Sora, viens. Avec eux. Fuyez, pauvre fou. Je pars même pas. Ah si. Je ne devrais pas jouer le même air qu'avant, mais quelque chose de plus vif, comme ces chats. Wow, wow, on se calme. Mmh.
J'ai décomposé l'air pour en faire un nouveau. Comme lorsque ma mère m'a appris à faire le thé, pas à pas, avant de faire tomber les tasses sur le sol. Nous avions alors recommencé, sans les tasses. Elle m'avait dit qu'il ne suffisait pas de connaître les règles, qu'il fallait les briser pour comprendre leur importance. Ah, nickel. M'en vais. Là. Allez, t'es pas en combat. Pendant un combat. Quel combat? Là-dedans. Je coupe en deux. Ah. Je dis pas non. Je suis pas dans un combat sinon. Bah, je vais les péter. Le mieux c'est de mourir. Le mieux c'est de mourir, je meurs. Laissez-moi mourir. Bah, on va recharger. Penin. Merci. Oh, lui, il avance plus, hein. C'est loin. 300 mètres. Venez vous battre. Oh, l'enflure. Thank you.
Meurs. J'avais l'air d'avoir besoin de bras supplémentaires. C'était brave. Cette île n'est qu'un tas de rochers humides, mais c'est notre foyer. On ne laissera personne nous la prendre. J'admire votre courage. On va pas l'oublier, lui. Ne bougez pas. Ah, mon cou. Ah, merci infiniment. Un samouraï s'est arrêté pour me sauver. Allez-y, et faites attention. Ça n'en finit jamais. Le feu l'a un peu bugué, je crois, non? Un feu arc-en-ciel. C'est lui qui met des trucs dans le feu. Ouais, il doit mettre des trucs dans le feu, chez Nain. Encore toi. Je ne m'attendais pas à te trouver sur la plage. Cherchais tout à l'heure. Saviez-vous qu'il faut du métal pour construire une maison? Je l'ignorais. Pas des clous. J'en suis réduit à fouiller les épaves. Il n'y a que là que je peux en trouver. Sur Iki, tout du moins. Mais j'envie ces bateaux. Les épaves? Ils se sont brisés. Mais on devine encore ce qu'ils étaient. Tout ce que j'avais de ma famille. Les outils de mon père. L'épingle de ma grand-mère. Tout a brûlé. C'est pourquoi j'aimerais en avoir une nouvelle. Une maison ou une famille? Ah, si je ne reprends pas la fouille de ces coques, je n'aurai ni l'une ni l'autre. Cela te fera gagner du temps. Comment puis-je l'accepter? Inquiète. Vous aurez bâti cette maison pour moi. Je te comprends. Tu perds un café. Mais j'ai vu des maisons brûler. Ce serait un véritable honneur pour moi si tu acceptais cette contribution. Alors je n'ai d'autre choix que d'accepter. Je construis ma maison dans une clairière à l'ouest du Fort Sakai. Un jour, je vous y accueillerai. Heureusement. Et bientôt, j'espère. Oui, bientôt. Je vais aller à ta maison, hein. Je te surveille, t'inquiète. Là-bas en haut ? Il doit brûler du fer ou chez Naxi fait. Des clous. C'est la première fois qu'il est fermé. Oh, bouge-toi. Il va où, là? Un de plus. Bon, à première vue, on a tout fini, mais il reste encore des trucs à droite, à gauche, des parchemins, des trucs. Sur la map, on a tout fini. On va aller là. Quoi la récompense ? L'arène de duel est ouverte. Vas-y, je vais le défoncer. Tu veux tester ton adresse ? Tous les combattants sont les bienvenus dans le tournoi.
Vous organisez des duels malgré l'invasion ? En temps de guerre, il faut bien trouver de quoi se divertir un peu. En plus, on utilise des boken pour éviter les blessures. Je ne me bats que dans un but précis. Un but, hein ? Il y a de belles récompenses à la clé. Enfin, si tu gagnes. Comme ? Si ça t'intéresse de les rejoindre, les participants attendent dans l'arène. J'imagine qu'un peu d'entraînement ne me ferait pas de mal. En l'honneur de ton splendide katana, nous t'appellerons Bokuto. Un conseil. Chaque combattant a un style différent, avec ses forces et ses faiblesses particulières. Défie un adversaire. Tout le monde n'attend que ça. Laisse passer, battre le bol. Toi, t'es qui ? Ce serait bête de se blesser. Ouais, t'as raison. Viens, Loti. Un sabre en acier. Tu ne dois pas être doué. Oh, je vais le défoncer. Ce katana est destiné à la guerre. Pour toi, du bois suffira. J'ai déjà empalé un homme avec un sabre en bois. Allô ? J'avais à peine 13 ans. Et tu t'en vantes encore après tout ce temps ? J'en ai battu beaucoup d'autres depuis. Alors cesse de ressasser le passé. Et montre-moi ce que tu sais faire. Bokuto défie Kai. Je vais t'ouvrir le ventre. Le combat va commencer. Notre premier combattant est Bokuto. Son adversaire sera Kai, le redoutable pirate. Coups de pied et coups de poing sont autorisés. Premier à 5 touches gagne. Combattez. Attends, j'aurais pu le toucher quoi. Continuez. Arrière, un point pour Kai. Reprise. Halte. Reculez, un point pour Bokuto. Reprenez. Un point pour Kai. Reprise. Halte. Reculez. Un point pour Kai. Reprenez. Halte. Éloignez-vous. Un point pour Bokuto. Continuez. Un point pour Bokuto. Reprenez. Halte. Éloignez-vous. Un point pour Bokuto. Continuez. Dégage. Il a cru. Le vainqueur est Bokuto. Simple coup de chance. Ça va, c'est des combats comme ça, je crois que c'est des vrais combats. Pas bien là. Combat, nous sommes en paix. Je n'avais jamais croisé de moine dans une arène. Une étape sur mon chemin. Des pirates ont attaqué mon monastère. Armé de mon seul bol à aumône, j'ai mis fin à leur existence. Vous avez rompu votre vœu de non-violence. Et ce faisant, j'ai aperçu la lumière. Affronte-moi, que je puisse la trouver à nouveau. Bokuto défie Owan. C'est un honneur. Le combat va commencer. Notre premier combattant est Bokuto. Face à lui, Owan, le moine en exil. Coups de pied et coups de poing sont autorisés. Le premier à 5 touches gagne. Combattez. Yeah. Reculez.
Un point pour Bokuto. Reprenez. Arrière. Un point pour Bokuto. Continuez. À moi, non, ninjodo. Éloignez-vous. Un point pour Owen. Reprenez. Ce serait bête de se blesser. Laisse-moi gagner, Rona. J'ai 9 enfants et un époux malade. J'ai besoin de cette prime. Tu n'es pas guerrière de métier ? Je vends de l'huile. J'ai grandi sur les routes et j'ai dû repousser les bandits. Je t'en prie, laisse-moi gagner. Mes 8 enfants sont affamés. Je te croyais mère de 9 enfants. Je suis démasquée. Dans ce cas, je vais devoir te battre à la régulière. Bokuto a défié Take. Tu aurais dû accepter mon offre. Le combat va commencer. Notre premier combattant est Bokuto. Il affrontera Take, la marchande meurtrière. Coups de pied et coups de poing sont autorisés. Le premier à 5 touches gagne. Combattez. Reculez. Un point pour Take. Reprenez. Arrière. Un point pour Take. Reprise. Allez, elle touche à mort. Un point pour Take. Reprenez. Continuez. Quoi, quoi ? Take est notre gagnante. Quand je vais raconter ça à mes 6 enfants. Tu as envie de remettre ça ? Combattez ! Oh, t'as triché. Arrière, un point pour Take. Reprenez. Éloignez-vous. Un point pour Take. Continuez. Reculez. Un point pour Bokuto. Reprise. Éloignez-vous. Un point pour Bokuto. Continuez. Reculez. Un point pour Bokuto. Reprise. Ouais, touche pas.
Attends, que c'est que j'attaque Ali? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu as envie de remettre ça? Combattez! Éloignez-vous. Un point pour Bokuto. Continuez. Halte! Arrière, un point pour Take. Reprenez. Halte! Reculez. Un point pour Take. Continuez. Un point pour Bokuto. Reprenez. Éloignez-vous. Un point pour Bokuto. Reprise.
Sasuke est notre gagnante. On va retenter une fois. Tu as envie de remettre ça ? Combattez ! Arrière, un point pour Bokuto. Continuez. Halte. Reculez. Un point pour Bokuto. Reprise. Éloignez-vous. Un point pour Bokuto. Continuez. Non, c'est toi qui as triché. Elle dit que c'est Mi. T'es battu avec fougue, Bokuto. Mais cette fois, tu dois t'incliner. Oh. Encore un cinglé. Attends, on va prendre ça. On verra lui après. Il semblerait que le samouraï veuille nous parler. Fune. Tenzo, vous semblez réjoui. L'aigle parti, on se sent mieux. Beau travail à ce propos. À vous aussi. Si nous continuons le combat, nous aurons bientôt chassé sa tribu de l'île. Vous entendez, Fune ? Il a dit nous. Retrouve-moi plus tard, Sakai. J'aurai besoin de l'aide d'un samouraï qui sait garder un secret. Tu sembles aller mieux. J'ai seulement mal quand je ris, donc. Avec toi, je suis tranquille. Tu ne ris qu'à tes propres farces, de toute façon. Mais je ne brandirai plus jamais une lame comme avant. Tu ne pourras plus voler de pauvres marchands en haute mer. Comment comptes-tu te rendre utile ? Trop de personnes ici souffrent encore du poison de l'aigle. Il n'y a pas de remède, mais je peux les soulager. Voire en aider certains à se rétablir, comme toi. Le remède de l'aigle m'a forcé à revivre la mort de mon père. Il m'a donné une autre chance de le venger. Et qu'as-tu fait ? J'ai compris ce que je craignais plus que la mort. Faillir à mon père. Tout ce temps, je me suis reproché sa mort. Et d'avoir choisi de vivre. Alors je me suis pardonné. Et à lui aussi. Et ça t'a guéri ? L'ombre ne disparaît pas complètement. Mais elle décroît. C'est peut-être comme ça qu'on soignera les autres. En les aidant à revivre leurs souvenirs et à affronter leurs peurs. En tout cas, je l'espère. Autrefois, je n'aurais pas imaginé le dire un jour. Mais j'ai aimé te connaître, Tenzo. Moi non plus, je ne pensais pas dire ça. Merci, Jin.
Nickel. Je ferais mieux d'y aller. Faisons ça. Voir si je trouve d'autres victimes de l'aigle. Et si je peux leur apporter de l'aide. Ok. Du coup, on va s'arrêter là.